travers du premier producteur du film qu'on avait rencontré, Thierry. Et il aimait bien un titre à nous qui était sorti sur un 45 tours, une face B qui s'appelait C'est ça l'amour, qui est un titre en français. Et bah, d'ailleurs, il a fait des tentatives dans son film là pour le placer, mais ça s'est pas fait. Ouais. Il était fan de ce morceau, du coup, il nous a. C'est lui qui est venu vers nous. Ouais. Il avait fait toute une série de répétitions avec ses acteurs sur le. Il avait bossé avec notre musique avant même qu'on soit rencontrés, en fait. C'était marrant. Dans ces échanges de musique et de discussions avec le réal, on s'est aperçu qu'il n'y a pas vraiment de protocole pour bosser avec un réal, pour comprendre comment on fait une musique de film et tout ça. Lui, c'était son premier long métrage. Nous, c'était notre première participation à un film. Et c'est vrai qu'on a essayé de le faire de manière un peu orthodoxe au début, où on s'est échangé des morceaux, machin, mais c'est. Je sais pas s'il y a une formule pour discuter musique avec un réal. Je sais pas. On a pas encore compris vraiment comment on fait. On découvre. Ouais. C'est intéressant quand même. Très intéressant. Très intéressant. Dans un premier temps, on a lu le scénar. Ouais. Et puis, tout de suite après, en fait, Thierry s'est retrouvé à tourner donc en Corse. Il avait besoin de matériel dans l'immédiat parce qu'il tournait des films, il voulait les mettre en situation de réel avec des jeunes. Par exemple, il y a une scène au début du film où il y a des jeunes qui sont dans une villa et qui dansent. Et donc il nous a demandé un morceau et vu le scénar et vu les morceaux sur lesquels on travaillait pour notre prochain disque, on a trouvé ce morceau qui s'appelle Worms. Qui était dans nos démos et qu'on a un peu transformé pour le disque et donc qui a été utilisé dans le film. En fait, c'est un morceau où justement il y a un petit côté électro et en même temps il y a les voix de David notamment, il y a un côté un peu monstrueux qui renvoie pas mal au côté dramatique du film. La Corse, les paillotes et tout ça, le truc électro qui collait pas du tout avec notre univers qui est plutôt rock'n'roll proche du bruyant et du lofi, ce qu'on appelle. Ouais. Et c'est vrai que ça a clashé un peu. Ouais, c'était un autre esthétique. Ouais. Mais donc c'est marrant parce que ça apporte justement un côté décalé, quoi. Il y a un truc un peu paillette. Et ça correspondait aussi à notre travail sur notre prochain disque, où effectivement il y a un petit changement. Dans le son, puisqu'on allait en studio, donc on a un peu plus développé ça, et ouais. On abandonne un peu le côté lofi. Ouais. C'est parce qu'on a aussi un changement. Ouais. On est passé par 1000 étapes, quand on a fait tous les exercices. Chercher dans les morceaux existants, prendre un morceau d'une démo sur le prochain album, fouiller dans les répètes, écrire. Et au final, en fait, vu que le montage a fait un film hyper serré. 1h50 à 1h18, donc il y a moins de place pour nous. Ouais, et donc il y a peu de place pour la musique finalement. On a vraiment un gros morceau titre et quelques petites maigres apparitions. Qui sont plus de la, ce qu'on appelle de la nappe. Pour le coup, quand même, il y a un travail sur des voix, quand on pense à la Corse, il y a toujours sur les polyphénies de Corse, etc. Ouais. Et on a fini par enregistrer des voix alors que c'est pas trop notre truc à la base, Étienne et moi, quoi. Il y a une dimension documentaire dans le film qui est, où c'est censé être un peu la vérité, il n'y a pas trop d'effet de... il n'essaye pas d'impressionner et tout ça, donc c'est vrai que la musique qui vient décoller du réel, elle passe difficilement, quoi. C'est pas du tout onirique ou spectaculaire, donc je sais pas, il y a un truc, c'est pas facile de se placer dessus.